Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse aujourd'hui de participer au débat sur le C-15, loi modifiant la loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence. Le titre abrégé, renforcer la justice militaire pour la défense du Canada. Avant d'entrer dans les détails qui me préoccupent, je veux dire que je pense que ce débat en deuxième lecture est inhabituel. Comme pourra le constater tous ceux qui suivent ce débat à la télévision, nous avons entendu uniquement des députés de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que cela est symptomatique de la nature inutilement partisane dans cette Chambre. À une époque où je travaillais à Ottawa, l'étude des projets de loi n'était pas une affaire partisane. On essayait d'améliorer les projets de loi. Les amendements n'étaient pas considérés comme une menace au gouvernement. Le processus d'examen de débat était perçu comme le rôle et le bon fonctionnement du Parlement, et ce serait tout à fait conforme à la démocratie parlementaire de toujours solliciter l'avis de tous les députés de tous les partis, en écoutant particulièrement ceux qui s'y connaissent mieux en comité lorsqu'un projet de loi de cette nature, qui d'après moi est essentiellement bon, mais qui a certaines lacunes qu'il faut corriger. Je pense que les débats devraient être beaucoup moins partisans. Toutes les questions posées par l'honorable secrétaire parlementaire visaient à les accuser d'être hostiles aux objectifs visés dans ce projet de loi. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je tiens à dire que lorsque les parlementaires, d'un côté ou de l'autre, s'expriment sur un projet de loi, ils jouent leur rôle, ils font leur travail. Ce n'est pas un jeu politique, c'est au cœur même de la démocratie parlementaire de veiller à ce que les projets de loi qui vont régir la vie des Canadiens pendant très longtemps et subissent au processus intellectuel le plus rigoureux afin d'obtenir les meilleurs projets de loi et non pas les pires débats, les débats les plus partisans. Donc, cela dit, je veux m'associer avec les objectifs de ce projet de loi exprimés par une personne qui a été souvent aujourd'hui, le colonel à la retraite, Michel Drapeau. Et dans cet article qui a paru d'abord dans le Hill Times, il a dit très clairement quelle est la situation la veille de ce débat. Et il a dit, au bout du compte, le droit militaire canadien qui intègre le droit criminel canadien et les infractions civiles commises à l'extérieur du Canada est essentiel de maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les forces canadiennes sont considérées comme étant l'une des meilleures malgré sa petite taille, étant donné le pouvoir du droit militaire sur les soldats. Ceux-ci méritent un système de justice de première classe qui, avant tout, est juste et équitable envers l'accusé, tout en tenant compte des besoins de discipline de l'armée. De toute évidence, la loi sur la défense nationale a encore des lacunes et il doit être modernisé. Donc, je pense que cela donne le contexte. Ce n'est pas une attaque contre la justice militaire de la part de l'opposition, mais plutôt un effort pour que le temps que nous passons à discuter de la justice militaire, en remontant jusqu'au rapport Lamer de 2003, donne de bons résultats. Nous avons peut-être manqué le bateau. Nous parlons encore du rapport de 2003. Nous sommes 9 ans plus tard. C'était la bonne recommandation, mais la situation a changé. Et j'espère que le comité tiendra compte des réformes qu'apportent plusieurs de nos pays amis, alliés, comme le Royaume-Uni, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Allemagne, la France. Et ces pays ont examiné le système de justice militaire. Et de civiliser
le système de justice militaire pour voir si on ne peut pas combiner les ressources. Il recommande que le système de justice militaire soit intégré à la Cour fédérale et qu'à la Cour fédérale, il y ait une section d'expertise militaire. Cela permettrait de réaliser des économies, ce que ce gouvernement aime d'habitude. Un autre commentaire du professeur Drapeau qui s'applique à tout le processus. Il se demandait pourquoi, au débat de ce projet de loi, alors qu'on a demandé au juge Lessard d'examiner les dispositions de la loi sur la défense qui concerne le système de justice militaire. Et il se demandait, ce ne serait pas plus sage d'attendre les recommandations de ce rapport, étant donné tout ce qui s'est passé au cours des 9 dernières années depuis le rapport Lamer. Quoi qu'il en soit, j'en arrive maintenant à mes préoccupations particulières. Je suis sûre que le comité examinera ces questions et qu'il sera prêt à apporter des amendements. En ce qui concerne les coûts, on envisage de créer un groupe de juges, un tribunal pour les réservistes et Maître Drapeau indique que c'est un tribunal dont la charge de travail est très légère, contrairement à la Cour suprême ou aux cours supérieures des provinces. Mais ici, la charge de travail est légère et la création de postes de juges supplémentaires pour les réservistes serait coûteuse et une dépense extravagante. Alors, il y a lieu de se demander si c'est vraiment nécessaire. J'aimerais maintenant aborder les changements à la procédure de grief. J'aimerais d'abord revenir au rapport du juge Lamer. À la page 86 du rapport déposé au ministre de la Défense nationale en septembre 2003, le juge Lamer dit clairement que les juges ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils ont le droit d'être traités avec respect et, dans le cas de la procédure de grief, d'une façon juste du point de vue de la procédure. Puis, il ajoute, il est essentiel pour le moral des membres des forces canadiennes que leur grief soit traité de façon rapide, juste et transparente. Et le juge Lamer a formulé plusieurs recommandations sur ce processus de grief. Contrairement à ce dont il s'agit ailleurs dans le projet de loi, le processus de grief est de façon inhérente, non contradictoire. Personne ne fait l'objet d'accusations. On n'a pas recours à un avocat. Il s'agit simplement de déterminer si les conditions de travail sont acceptables. Il s'agit finalement de relations de travail. Le juge Lamer dit qu'il faut recourir à un processus axé sur la collaboration. Bon, dans le projet de loi, on a fait des efforts pour donner suite à cette recommandation. La recommandation 75 du juge Lamer se retrouve presque mot pour mot dans l'article 6 du projet de loi. Qui veut que, dans les circonstances, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, on agit avec célérité et sans formalisme. Toutefois, il y a un changement qui a été apporté sans qu'on l'ait recommandé et je me demande pourquoi on change le nom de la commission qui devient le comité externe d'examen des griefs militaires. Pourquoi ce changement au projet de loi C-15? Pourquoi ne pas plutôt apporter des changements de fond? Dans les quelques secondes qui restent, j'aimerais aborder une autre des recommandations du juge Lamer. À l'heure actuelle, les griefs peuvent se rendre jusqu'au chef d'état-major, mais la recommandation 78
dit qu'on devrait donner au commandant au plus 20 jours pour examiner le grief. Comme mon temps est écoulé, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Question et observation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais poser à ma collègue une question concernant spécifiquement la réforme du système de procès sommaire. Moi, j'ai été membre des forces armées et, quand on rentre dans les forces armées, je crois qu'il y a certains militaires qui comprennent pas la complexité du système de justice militaire. Et, par exemple, on peut se retrouver en avant d'un procès sommaire à 18, 17 ans pour une infraction quand même, somme toute, mineure et, pas trop comprendre ce qui arrive. Un procès sommaire, c'est très impressionnant. Les gens marchent très rapidement. T'es accompagné en avant du commandant, sous escorte. Donc, c'est assez impressionnant. Est-ce que, son avis, les jeunes militaires comprennent les impacts qu'un procès sommaire peut avoir sur leur carrière future lorsqu'ils vont sortir des forces canadiennes? La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, M. le Président. Je remercie mon ami d'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que c'est les choses dont, pour les membres de les forces militaires au Canada, c'est à elle comme membre ancien des forces canadiennes. Je pense qu'elle a une très meilleure compréhension des situations pour les membres de notre militaire. I do think, though, that we could simplify. Cependant, je crois qu'on pourrait simplifier cette procédure sommaire. Elle n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle, mais le procès sommaire pourrait être modifié, je crois. Et on devrait rendre cette procédure beaucoup plus semblable à la procédure civile. On pourrait prévoir des juges civils et conférer aux membres des forces armées les mêmes droits qu'aux civils. Les membres des forces canadiennes ne sont pas des citoyens de seconde zone et ils ne devraient jamais faire face à des accusations dont ils ne comprennent pas la teneur. Question observation, le député de Winnipeg Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais donner suite à la question précédente, car moi aussi, j'ai été membre des forces canadiennes. Et quand on devient membre des forces canadiennes, on ne pense pas à la procédure disciplinaire en cas de manquement à la discipline. Moi, j'ai aimé mon expérience au sein des forces armées. J'ai jugé que c'était un privilège d'en faire partie. Et j'aimerais insister sur le fait que c'est un très petit nombre de militaires qui ont des démêlés avec la justice militaire. Ils sont peut-être 40 à 50 chaque année. Donc, le projet de loi vise à réduire l'écart entre la justice militaire et la justice civile. Le Parti libéral appuie le projet de loi à cet égard, du moins son renvoi en deuxième lecture, et la chef du Parti vert pourrait peut-être nous dire ce qu'elle pense de l'importance d'apporter des changements quand nous le pouvons, de façon à rendre les tribunaux militaires plus semblables aux tribunaux civils. La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie mon collègue de Winnipeg Nord de sa question. Oui, dans la plus grande mesure possible du point de vue de la politique publique, il est bon de s'écarter du modèle de la cour martiale qui est acceptable dans le cas d'un conflit armé, mais sur le champ de bataille, mais dans les autres cas, il faut que le système de justice militaire protège les membres des forces canadiennes, leur donne le droit à un avocat, leur explique les accusations. Il n'y a pas de raison qui justifie un système de justice totalement différent pour les militaires.